Bon, Saint-Vignan, c'est un petit village à quoi, entre Faugères et Saint-Vignan, et Saint-Chinian, pardon. Et donc, c'est un village qui a été oublié pendant une quarantaine d'années. Et donc, moi, Émile Lézime, le maire du village, j'ai pris une décision. Comme la vigne pousse bien, il n'y a que ça qui pousse, on a tout misé sur le vin. Et donc, on a bien sûr rapatrié la mairie à la cave coopérative, la poste à la cave coopérative. Il y avait déjà dans la poste à la cave coopérative. Et l'école à cave coopérative, voilà. Et dans notre école, par exemple, on a... Donc moi, je suis Émile Lézime, le maire, bien sûr. On me reconnaît avec notre écharpe rose et blanc-rouge. Chez nous, on soutient le producteur, hein. Très important. Vous avez ma carte. Folle dingue. Pourquoi folle dingue? Ben parce que ce que je fais, c'est un petit peu folle dingue. Par exemple, des foulards qui ne sont pas vraiment des foulards, des colliers qui ne sont pas vraiment des colliers. Donc un foulard-collier. Folle dingue dans tous les domaines de la vie. Voilà. C'est une épicurienne, une grande sportive. Hein. Et quelqu'un qui s'investit toujours, mais surtout vis-à-vis des autres, en pensant aux autres, donc c'est important. Par exemple, si vous allez au marché du Lez à Montpellier, ces vestes militaires, elles sont à entre 150 et 200 euros. Moi, je les vends entre 75 et 85. Parce que moi, j'aime créer, j'aime pas vendre. Ouais. Donc, j'aime pas avoir trop de stock, parce qu'après, ça prend beaucoup de place chez moi. Et alors, la balade en calèche, c'était comment? C'était génial, c'était super. Pastifié, avec manches longues, super sympa. Après, j'ai des petites robes portefeuilles aussi, comme ça, jolies, comme le mannequin. Là, vous voyez. Donc vous êtes spécialisée dans tout ce qui est style africain. Voilà, exactement. Moi, c'est africain à fond. J'ai mon atelier, ma boutique au Vigan. Voilà, et puis je fais plein de trucs. Je fais les accessoires, des tissus africains, les instruments de musique, les paniers, les vêtements, plein de choses. À la Sainte-Croix. Exactement. Et les ruches ne sortent pas du village. Tout est produit du printemps à l'automne et les ruches sont sédentaires. Vous vendez quoi, vous? Un truc, des bonhommes de neige, des bougies, des bijoux et des soins, la crème.